normal, un peu de femme, hein. Mais donc, vous êtes bien pleine. Vous n'êtes pas trop métier, pas maintenant, tout de même, hein. Mais comment osez-vous parler de la sorte à mon épouse? C'est insensé d'entendre un tel langage, ma femme n'est pas une vache, hein. Non, mais c'est pas possible. Mais il mordrait ce petit roquet. Attendez-moi, moi je lui envoie de tout seul dans la tronche, hein. Il va faire tout seul dans la pierre. Sans trouver ce suspendu en plus. Mais croyez-moi, ça va pas tarder. Mais madame, j'ai peur des souris, que je l'avoue, mais je ne demeure pas moi un homme. Vous allez voir ce que vous allez voir. Commencez déjà à descendre de votre perchoir. Ah, mais si votre main mange, se remonte à votre plumage. Vous êtes quelqu'un de cette dame. Ne cédez pas à la propagation héroïne. Madame Mignol serait bien capable de... Oh, croyez-vous, belle maman. Mais bien sûr, mon petit monsieur, venez. Il y a même certains Chinois qui en boivent un verre tous les matins. Non, mais écoutez, mon petit monsieur, hein, vous voulez écouter? Mais c'est gratuit! Et en fait, c'est plus! Ah, c'est insensé de boire ça! Ah, si, 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 c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Il faudrait d'abord que vous en ayez dans le pantalon, monsieur! Laissez tomber, Erwin! Répondre à ce genre de provocation, c'est s'abaisser! Vous savez bien que. Que quoi? Que quoi? Que je suis de la campagne? Eh bien, oui, 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 je suis de la campagne. Et j'en suis fière. Hein, quand je vois certains qui pètent plus haut qu'ils ont le cul et qui prennent pour des seigneurs, eh bien, ça me calamine le pot d'échappement. Pour votre gouvernement, madame, je suis administrateur dans une grande entreprise publique. J'ai du personnel sous ma responsabilité. Mais,